Et bah salut tout le monde, c'est la Marknight. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo Skywars. Je sais un nouveau concept. J'ai recordé sans son au début. Puis là, je suis dans le montage, puis j'étais en train de faire la voix. Donc c'est comme si j'expliquais. Enfin, en fait, c'est comme dans la précédente vidéo Skywars. Désolé pour le son, il y a mon frère qui joue au New Hockey. En fait, c'est comme dans la précédente vidéo. Car j'ai manqué le micro, quand le micro il s'est arrêté, j'ai dû le faire comme ça un peu. Donc on essaye ce concept-là, si ça marche bien, on verra. Je pense que ça prend un peu plus de temps quand même, donc voilà. Dang, j'ai tué quelqu'un qui vient de lancer une boule de neige qui sert à rien. Donc on se trouve, la première partie est sur la map gardienne, toujours même serveur. Pour les musiques, je vais les mettre dans la description, sauf ceux qui sont non copyright. En fait, je vais vous donner la chaîne de la personne qui les diffuse. Je pense que vous le connaissez, c'est NCS. Donc NCS pour non copyright sound. Je traduis, c'est pour les chansons non copyright. Copyright qui est je pense que vous comprendrez. Sinon, allez sur Google ou demandez à vos parents. Voilà. Désolé vraiment pour le bruit, je peux rien y faire. Donc, je m'en vais au milieu, comme d'habitude, je saute et par chance j'ai réussi à sauter parce que c'est quand même loin puis j'avais peur de pas réussir. Donc, je prends les coffres avec une hache, c'est plus rapide que les ouvrir, comme ça, en fait, ça m'a permis de tuer la personne qui s'en est juste là. Sinon, il m'aurait tapé puis je serais sûrement pas mort quand même. Mais j'aurais perdu des cœurs, puis ça aurait été plus dur pour moi pour continuer. Donc là, on se retrouve à tirer sur quelqu'un. Deux personnes, en fait. Mais ça servait un peu à rien de tirer dessus. Là, je sais pas pourquoi j'ai raté mon tir. Je pensais qu'il allait avancer, peut-être. J'en ai aucune idée, mais j'aurais dû réussir ce tir-là pareil. Donc, moi, je m'en vais rejoindre la personne qui est là-bas pour la tuer. Ok, je sais pas pourquoi elle montre. Ok. Elle est descendue, ça lui servait à rien. Pendant ce temps-là, moi je pouvais avancer. Je me suis fait tirer dessus. La personne était tellement nulle qu'elle n'a pas réussi. Donc là, je pousse la personne en bas. En fait, elle est tombée sur le toit du truc, elle a avancé après. Et c'est genre comme un noob un peu. Voilà, attention, technique de pro dans 3, 2, 1, go! Ah non, j'ai pas encore. Voilà, là c'était là. Donc j'ai tiré à côté du bloc juste pour toucher la main. C'était vraiment un très beau tir. Donc voilà. Un autre saut un peu moins risqué ce coup-ci. Donc là, je vais pas vous parler, ça sert à rien. Je fais juste changer, enlever des items là, qui me servent à rien. En fait, je suis plein, mais les items, on s'en fout quand on est en plastron. Pantalon, bottes, parfois il y a des casques, mais dans cette partie-là, il n'y en avait pas. Donc là, pourquoi je me cache? Parce que j'ai vu que l'autre personne, vous l'avez vu, celui sans armure, ok, il frappait dans le vide, ça veut dire qu'il voulait me montrer que j'étais juste à côté. Donc là, moi, je me suis caché. Attention, quand même un beau tir là. Voilà, je touche à son orteil ou son pied, là, mais quand même bas. C'était un beau tir. On se retrouve pour la deuxième partie dans pas longtemps. Et voilà, on se retrouve pour la deuxième partie. J'étais avec Diamond PVP. On était pas en team, un peu en team, genre on se suivait pas quand on s'est vu au middle. Donc on est allé chacun de son côté, on était juste à côté quand même. Je me fais une épée, voilà, je la mets en place des flèches comme d'habitude. Donc je m'en vais de l'autre côté, il y avait personne là-bas donc. J'ai juste gagné des bottes en fer, il me semble. Donc, voilà. Je vais commencer à aller de l'autre côté. En fait, il se passera rien. Parce que il y a personne de l'autre côté. On était juste 5 sur la map Swamp. Puis actuellement, je pense que c'est 12 personnes ou 8. 12, il me semble. Ou 10. 12, 10. 8, j'en ai aucune idée. Voilà, déjà une personne qui est censée être morte. À moins qu'il cheat. Oh non, c'est moi qui étais dans l'eau parce que j'ai vu de l'eau, je sais pas. Parce qu'habituellement, il y a des cheaters qui remontent quand ils tombent dans le vide. Genre,
les personnes croient que c'est un bug parce que c'est quand même bien fait. C'est que le cheater, c'est comme un fly. Sauf que tu le vois pas bouger. C'est comme s'il se faisait TP, donc voilà. Bon, une personne de morte. Déjà à 5 minutes de record, désolé pour soufflage. C'est juste que. Bah, c'est ce micro qui résiste pas au souffle. Donc là, voilà Diamond Pipi. Désolé pour les skins. Oh, j'aurais dû prendre les deux perles qui étaient là, mais j'ai elle l'a pris avant moi. Bah, elle s'en est pas servie, anyway. Donc, désolé pour skin. J'utilise Lifecraft, le launcher Lifecraft, pour Optifine. Mais je pourrais le mettre aussi sur l'autre, c'est juste que. Bah, c'est juste que j'ai pas encore eu le temps. En fait, le bug de skin, il va peut-être se régler. En même temps, sur le launcher Minecraft, il lag plus, donc. Désolé pour les skins pareil. Donc là, bah, je sais pas si j'aurais dû le couper au montage. Là, c'est ben trop tard pour que je puisse le couper. Donc voilà, on va juste attendre un peu. Voilà. Ah, ça va tuer l'autre personne. Là, on est 1v1. Un petit combat à l'arc au début. C'est parce que. Alors, en plus, un rang plus. Plus haut que moi, genre MVP, ouais, MVP. Puis son arc est Power 3, il me semble. Power 3. Puis tantôt, vous allez voir le nombre de dégâts que je prends, même avec une armure, là. Imaginez sans armure, je prendrais environ 7 coeurs. Donc, on mange quelques pommes. On attend un peu qu'elle me tire dessus. Ah ben non, en fait, elle mettait de l'eau, puis j'ai tiré dessus juste pour lui mettre des dégâts, mais ça servait un peu à rien de ce combo-là. On tire des flèches, je lui fais gaspiller ses flèches en fait. Mais tantôt, vous allez voir un beau tir, dans pas très long en fait. Je vais vous le dire quand ça va arriver, là. Puis avec une petite animation que j'ai mis, là, je pouvais pas faire mieux dessus, je voulais sortir cet épisode-là assez tôt parce que ça fait quand même quelques semaines que j'en ai pas sorti avec la semaine de relâche. Puis l'autre semaine que j'avais beaucoup d'examens. Donc voilà. Donc on continue le combat à l'arc. Vous voyez, ça m'a fait 4, 3 coeurs et demi. C'est quand même beaucoup pour qu'une armure. En même temps, on est en cuir puis en fer. Donc ça fait quand même beaucoup de dégâts. Donc c'est ici le beau shot, on le voit pas, on voit juste les particules, bam, je le touche, elle tombe dans le vide, brrr, ok, elle met ça quand elle tombe dans le vide, désolé pour le blanc, je peux rien y faire, c'est sûr, je le voyais pas comme ça sur mon éditeur, donc là, je sais pas si on le voit sur YouTube, mais voilà, c'est un beau tir, on se retrouve pour la troisième partie. Et on se retrouve. Je viens de m'apercevoir quelque chose sur YouTube. Désolé pour l'écran noir qu'il y a eu pendant quelques secondes. Je sais pas si je pourrais le régler. Si vous entendez cette phrase-là, puis vous dites, puis vous pensez que ben, si j'ai pas réussi à l'arranger, ben, je m'excuse avant. Si j'ai réussi à l'arranger, bah ben, tant mieux. Ben, en fait, si ça change à rien, tant mieux, hein. Parce que ça peut changer peut-être le. La musique parce que je l'ai mis un peu donc là un peu pub ah, pas grave attends le gars est tombé tout seul celui qui voulait teamer avec moi ben moi je team pas à part il dame un petit pvp mais en fait on team pas vraiment on fait juste postuler quand on se voit c'est pas vraiment de la team parce que on n'attaque pas ensemble vous comprenez j'espère. Donc je m'arrive de l'autre côté. Vous allez voir, je vais faire un peu de kill. C'est pas facile quand il y a personne qui vient. Oh, en fait non, j'ai rien dit, il y a quelqu'un qui venait. Ok, j'ai un peu mal géré l'arc. Actuellement, je suis bien meilleur que ça. Mais là, je sais pas pourquoi. Dans cette partie-là, j'ai vraiment été nul un peu. Je me fais attaquer des deux côtés. Deux côtés quand. Ah oui, cette partie-là, qu'est-ce que je vais faire bientôt, c'est très 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 bon.
Je me fais attaquer des deux côtés quand même. Je réussis à sauter ici. Je casse un bloc. Le mec, il me détecte même pas. Oui, il m'a détecté. Mais je réussis à le tuer avec un cœur et demi. Il me semble. C'est pas grave. La prochaine fois, je pense que je désactiverai le chat parce qu'il était un peu encombrant. Voilà, on prend une gapole. Je m'en vais tuer le mec qui s'en venait. Il était au-dessus de moi. Il y a plus de vie que moi. Il y a un peu plus. Ah non, il n'y a pas plus d'armure que moi, mais j'ai réussi à le tuer. Le combo est un peu nul, j'avoue. Il y a un peu de lag en même temps. La souris, comme je l'ai jamais dit, mais. Le truc pour scroller, là, je sais plus comment ça s'appelle, pour descendre sur les pages web. Ou changer d'item. Est un peu buggé. Tantôt, je PVP. Puis je voulais prendre une potion de régène. J'ai pas réussi à cause de. Ben, j'étais en train de charger un arc. Finalement, je vais prendre une potion. Mais ça, j'ai pas pu la prendre. Donc là, on se retrouve sur le gameplay. Encore avec Diamond PvP. Cette fois-ci, c'est un dénouement différent. Donc. Et je prends plus de dégâts que tantôt. J'ai pas réussi le même tir que tantôt. J'aurais aimé le réussir encore une fois, mais. Mais pas cette fois. Donc on se rend sur la prochaine île. Je viens d'apercevoir qu'elle s'en va sur les noisilles. Ouais, voilà. J'utilise Optifine, donc. J'essaye mon autre tir, mais trop vite. J'ai tiré trop vite. Donc, voilà. On va aller sur la prochaine île. La vidéo finit bientôt, il me semble. Dans 3 minutes. Ouais, j'ai fini la narration dans 3 minutes, donc c'est bientôt. Mais j'ai vraiment fait une grosse erreur tantôt, donc. Mettez pas de pouce rouge pareil, c'est juste. Juste mettez boule de neige dans le chat, dans les commentaires. C'est un peu amélioré à l'arc, voilà. C'était un beau tir qu'elle m'a fait. Je buguais un peu à ce temps-là, comme vous pouvez voir dans le chat. Donc, je prends une gabosse toujours pour se régène. Voilà, un très beau tir encore une fois. Je reste à distance. C'est mieux pour se protéger des flèches quand vous recevez une pluie sur vous. Voilà. Ça sert à rien de faire une protection. On peut toujours vous tirer dessus quand même. En même temps, vous voyez rien quand vous faites une protection. Donc, c'est un désavantage et un minime avantage. Même si ça peut vous sauver la vie. Juste vous mettre un peu plus loin derrière, puis regarder de temps en temps. Ou mettre des blocs de vitre, c'est encore mieux. Si vous en avez, ou des blocs de glace, comme sur la map Frost. En fait, cette map-là, c'est Mushroom. Ouais, Mushroom. Là, sur cette map, j'ai un peu moins bien géré contre elle. Parce qu'elle est très bonne au PvP. Donc, c'est ça. Est vraiment bonne TVP. Là, j'ai mon épée dans le vide, donc une chance que j'en avais une autre sur moi. Donc là, j'ai aucune flèche, je peux plus rien faire à moins de rejoindre son île. Donc voilà. Ah, en plus, elle a plus de stuff que moi. Il me semble, oui, on est. Ouais, plus de stuff que moi. Plus, je pense qu'elle avait une épée en fer aussi. J'ai mal envoyé mes boules de neige, j'aurais pas dû les envoyer un à un, elle a pu se restabiliser à chaque fois. Donc j'aurais pu la faire tomber en dessous là, comme ça j'aurais pu la battre sans qu'elle sache. Voilà, elle vient de me battre, tant pis, c'est pas grave. On se retrouve pour les bonus. De retour pour les bonus, voilà un petit fail. Ah, désolé, j'ai oublié de cette cinématique là, c'est pas grave. Donc on recommence. De retour, c'était un fail de plus pour vous. Tant mieux pour vous. Donc voilà un beau fail, je m'en allais sur l'île. Ok, ma technique c'était de le faire cacher derrière son bloc de glace pour pas qu'il me voie. Je me retourne, j'ai plus de bloc, je vois des boules de neige et paf, je tombe dans le trou. Un beau fail. Oh, voilà, là je vous mets une petite partie que j'ai faite. Une partie de la partie. Non, une partie. Où je suis mort par un fail juste avec un bouton en fait.
Donc là, je commence par tuer la première personne que je vois. Ok, elle tombe pas dans le vide. Je rejoins son île. Elle avait juste une pomme en or dans les mains. Je comprends pas pourquoi elle a pas pris son épée auparavant. Je l'ai fait tomber. Il faut toujours regarder en bas. Au cas où que ce soit un hacker. Puis, comme je l'ai dit tantôt, il revient en haut. Voilà. Là, je veux rejoindre. Je tire sur la prochaine personne. Je voudrais rejoindre son île. Donc, il me faut des blocs. Voilà, je commence à prendre du bois. Mais la mauvaise idée, c'est d'avoir un seau de lave dans les mains. Et accrocher le bouton droit en ce moment-là. Donc voilà, merci tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Ciao!